Le prince Harry et Meghan Markle ont commencé à préparer leur tenue pour leur voyage en Australie prévu pour octobre. Et le duc de Sussex a empêché son épouse de prendre certains vêtements dans ses bagages. Meghan Markle a commis quelques impairs vestimentaires depuis son mariage avec le prince Harry. Mais plus pour longtemps si l'on en croise Mail on Sunday. Le tabloïd britannique rapporte que le duc et la duchesse de Sussex préparent d'ores et déjà leurs valises pour leur voyage en Australie prévu pour octobre prochain. Et le prince Harry n'a pas manqué de donner son avis sur les tenues que son épouse allait emporter. Ainsi, Meghan Markle s'est vue contrainte par son époux d'abandonner l'idée de glisser dans ses valises un smoking signé Stella McCartney pour lequel elle avait craqué. Comme le rapporte une source au Mail on Sunday, certaines tenues qu'arbore Meghan Markle en public ne sont pas tellement tolérées au sein de la famille royale, et il lui est désormais demandé de s'en tenir aux jupes traditionnelles et aux collants opaques, rapporte un proche de la famille royale. Meghan s'est entendue dire qu'elle devait arrêter de s'habiller comme une star d'Hollywood. Harry lui a dit que ce n'était pas assez traditionnel, ajoute la source. Une petite remarque probablement déplaisante pour la duchesse de Sussex qui s'efforce tout de même de faire de nombreux efforts. Elle trouve certaines choses frustrantes et si la reine Elisabeth II est impressionnée par Meghan Markle pour ses premières sorties officielles, la duchesse de Sussex a encore un peu de mal à comprendre certaines règles instaurées par le protocole, comme le fait que la reine préfère les femmes en robe ou en jupe plutôt qu'en pantalon, révélait une source proche de la famille royale au magazine People. Je pense qu'elle trouve certaines choses parfois frustrantes, mais c'est sa nouvelle vie. Et elle doit y faire face, conclut la source au magazine People.